je vous souhaite à tous la bienvenue ici dans cette église. Bienvenue surtout à vos catéchistes. Alors, bon, je ne sais pas tous leurs noms, parce que ils sont tous là, ces catéchistes. Ils vous accompagnent pendant toute l'année. Et aujourd'hui, on est tous ensemble réunis pour chanter. Et moi, je suis très heureux de vous accueillir ici. Bonne célébration, bonne fête! La vie humaine est une aventure où il fait bon de se sentir invité. Nous sommes à Port-Rentry pour vivre une célébration de Pâques avec toutes les personnes handicapées. Et nous allons nous mettre en chemin avec Jésus, ses disciples, et nous allons embarquer avec eux et vivre des moments de pêche, vivre des moments de lavement des pieds, vivre des moments aussi où il y a eu la résurrection. Et cette résurrection où il y aura aussi une nouvelle pêche, une pêche miraculeuse. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. En arrivant au tombeau, Simon-Pierre vit le linge qui avait été sur la tête de Jésus coulé à part. L'autre disciple entra dans le tombeau. Il vit cela et crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'Écriture qui annonce que Jésus doit revenir de la mort à la vie. Alors, le service de la pastorale auprès des personnes handicapées existe maintenant depuis une trentaine d'années. Au départ, ça a été la volonté des parents que les personnes handicapées puissent aussi bénéficier d'un accompagnement. Et les églises catholiques et réformées se sont mises ensemble pour offrir ce service. Et actuellement, nous sommes plusieurs professionnels à y travailler, à collaborer ensemble. Donc nous avons deux collaborateurs réformés et trois collaborateurs catholiques. Et ensemble, nous vivons et nous préparons des temps d'intervention dans les institutions, des temps de recueillement. Nous avons aussi des temps forts tels que Noël et Pâques, comme nous l'avons vécu aujourd'hui. Des temps aussi de rencontres avec les personnes, des entretiens que nous pouvons avoir, des entretiens aussi parfois avec le personnel des institutions. Et je dois dire que depuis de nombreuses années, nous sommes bien accueillis dans les institutions où nous allons, en équipe. Nous voulons te redire, ensemble, en nous donnant la main et en nous levant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la terre. Alors la fête de ce soir est vraiment une fête pour les personnes handicapées. Nous avons pris le soin aussi de la préparer en fonction du thème de cette année, suivre Jésus avec ses premiers disciples, avec la barque qui nous conduit et qui nous donne une direction. Et ensemble, nous avons aussi pris le temps de préparer la célébration, de préparer les poissons qui étaient colorés. Et ça a été aussi un bon moment avec les personnes handicapées pour que chacun puisse se mettre dans la célébration en préparant quelque chose d'important qu'il puisse aussi apporter. Et ces moments-là sont des moments de grâce pour notre service et nous en sommes chaque fois très heureux. Et nous remercions aussi les églises qui nous permettent de proposer ces moments-là avec les personnes handicapées. Alors le thème de l'année est choisi ensemble et puis pour préparer un thème comme celui de cette célébration de ce soir, c'est un travail d'équipe, mais où il y a deux personnes plus particulièrement qui se sont jointes, une de l'Église catholique, moi-même, et puis ma collègue Anne-Christine, pour préparer la célébration, qui ensuite a été proposée aux collègues. Puis ensemble, nous avons mis les derniers détails au point, et avec aussi les personnes handicapées, nous avons choisi les chants, les gestes, et tout ça donne finalement l'harmonie que nous avons pu vivre ce soir.
Alors, après notre célébration de Pâques, nous allons encore partager des moments conviviaux et nous aurons des pizzas, des boissons qui seront préparées par toutes nos personnes bénévoles et nous aurons l'occasion aussi de partager avec toutes les familles. Zaza, elle m'a dit, il faut dire un grand bonjour à Chien. Et puis, quand j'ai vu en rentrant dans la cuisine, quand j'ai vu ce dessert, c'était un millefeuille.